Bonjour, mes chers amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Merci pour votre fidélité. Je l'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas à y un like, absolument. Eh bien, aujourd'hui, on va voir un thème à l'avenir de votre couple. Eh bien, très intéressant. Pensez un petit peu à vous, à vos projets. Peut-être on va voir le futur maintenant. Eh bien, l'avenir de votre couple. Et alors, j'adore, mais tout de suite, j'ai quand même une belle carte. Vous savez, ça me montre la stabilisation dans votre relation, quand vous avez déjà une bonne base. Donc, peut-être il y a des sentiments, peut-être la confiance, vous connaissez déjà très bien, il y a une bonne base sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et en général, votre vie amoureuse se stabilise, certaines personnes peuvent s'installer ensemble. Comme ça, pour vous, ça sera vraiment un grand projet que vous réalisez. Donc voilà, et pour d'autres, ça sera le mariage. C'est vraiment tout de suite, j'ai cet indice que peut-être vous pouvez avoir vraiment cet engagement important dans votre futur. Et donc voilà, et bien, la guidance des cartes pour vous, l'avenir de votre couple. Qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, je vois ici que vous pouvez réaliser vos projets dans le futur, vous savez, tous les idées, quelque chose qui est important pour vous. Donc voilà, vous savez, c'est aussi un petit peu la carte de l'enfant. Et bien, si c'est important pour vous, si c'est actuel pour vous, le thème de l'enfant, vous pouvez l'avoir dans le futur. Et bien, et alors, vous commencez votre vie à zéro. Mais vous savez, c'est une très très belle carte quand vous avez vraiment un nouveau départ. Et peut-être c'est avec un petit risque. Donc voilà, vous posez des questions. Mais qu'est-ce que ça peut donner cette relation dans le futur? Quel sera le résultat? Mais la guidance des cartes, que vous devez commencer vraiment donc sur un nouveau départ dans votre vie par rapport à votre relation amoureuse, dans votre couple. Et voilà, et vous savez, en fait, cette curiosité, le risque dans le futur. Et qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Je vois également que vous pouvez avoir beaucoup de joie dans votre vie, les rencontres avec vos amis, ça sera important pour vous. Il y aura peut-être des événements à fêter aussi, donc dans votre futur par rapport à peut-être votre couple. Donc voilà, et bien, et quand aussi vous pouvez montrer vos sentiments, et c'est aussi un accent qu'il y a de plus en plus de sentiments donc dans votre couple, et ça va jouer un rôle important. Et regardez, j'ai la confirmation, c'est la carte de l'amour. Vous savez, c'est toujours un accent sur les nouveautés que vous pouvez avoir, toujours un nouveau départ quand votre relation amoureuse se développe. Et vous savez, les émotions, il y en a tellement que ça déborde et vous ne pouvez pas les cacher. Et vous savez, c'est un indice sur la déclaration d'amour, la demande d'un mariage. C'est justement la première carte que nous avons vue au début. Ça me le confirme que c'est tout à fait possible pour certaines personnes. Et bien, et vous savez aussi un accent que vous pouvez perfectionnaliser votre relation, peut-être le plus de rencontres, mais je pense déjà vous avez la maîtrise quand vous vous connaissez très bien, vous avez les projets par rapport à votre futur, peut-être il y a du temps que vous avez passé ensemble, donc c'est possible, et c'est important pour vous, il y aura le développement dans ce sens, donc dans le futur, dans votre couple, donc voilà, et bien, c'est très très important, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et alors, la roue de la fortune, vous savez, c'est la carte de destin, peut-être c'est un accent pour vous, que peut-être votre rencontre, c'est votre destin, cette personne qui est auprès de vous. Donc voilà, et vous savez aussi, en général, ça montre qu'un cycle se termine dans votre vie, et peut-être vous avez ce nouveau départ, comme nous avons vu, donc dans votre vie, quand vous commencez la vie à zéro, et aussi certains événements qui vont se présenter, la vie va vous donner cela comme la chance pour éventuellement votre couple évolue. Donc et voilà, les événements, les nouvelles, donc voilà, peut-être même une certaine facilité pour réaliser vos projets, vous devez le savoir, et alors j'adore parce que c'est la carte le soleil. Vous savez, c'est la meilleure carte dans le tarot. Ça me montre tout simplement le bonheur que vous avez, c'est la carte de résultat. Si par exemple vous avez des projets dans le futur, eh bien c'est un accent que vous avez cette réussite, le résultat. Et vous savez, en général, la satisfaction, le bonheur, quand vraiment vous profitez de la vie aussi, c'est un petit peu la carte de vacances. Peut-être c'est un projet aussi pour vous de passer des vacances donc ensemble avec votre compagnon en campagne. Aussi un accent sur les enfants, eh bien vous devez le savoir. Eh bien, et regardez, alors j'adore le bonheur total, vous savez, c'est quand ça peut être la création de la famille, justement. Donc, quand donc la famille est réunie, peut-être vous avez ces sentiments de satisfaction, l'amour aussi qui vous réunit, et en même temps, vous savez, quand vous pouvez vous faire plaisir, et quand ensemble vous pouvez profiter un petit peu de la vie, réaliser vos souhaits, désirs, et c'est important pour vous, donc, et ça vous donne beaucoup de bons sentiments. Et alors, vous savez, encore, donc, un autre bon indice, que peut-être aussi un
moment, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas. Je n'ai pas vu les problèmes particuliers, par exemple, comme les conflits ou d'autres choses, mais peut-être dans votre relation, dans votre couple, vous ne voulez pas vous arrêter. À ce moment, vous voulez que ça évolue. Vous voulez avoir plus de satisfaction, sentiment, peut-être, voilà, il y aura des changements qui vont se passer dans votre vie. Eh bien, vous pouvez le faire, justement, en accent qu'avec peut-être ce nouveau départ que vous avez, cet engagement, pour beaucoup de gens, ça sera cet grand engagement, ça va vous donner la satisfaction. Donc, meilleur, eh bien, alors j'adore parce que c'est l'impératrice. Vous savez, c'est un accent sur une femme. Eh bien, dernièrement, je vois souvent dans les tirages cette personnalité. Eh bien, madame, vraiment, vous êtes exceptionnelle parce que c'est quelqu'un qui est fort. Vous pouvez être très féminine, donc élégante. Vous avez cette attirance également. Donc, voilà. Mais vous savez, en même temps, peut-être, vous avez la force de caractère, mais féminité aussi. Et ça, c'est un petit peu unique. Donc, à l'intérieur de vous. Et vous savez, c'est aussi un indice. C'est une femme qui est une épouse. C'est une épouse. Donc, voilà. Et peut-être, vraiment, ça me confirme que beaucoup de gens, vous allez prendre cet engagement. Il y a le mariage qui vous attend. Et alors, un peu de jalousie. Mais bien sûr, comment c'est possible autrement? Vous savez, c'est aussi la carte qui me montre la stabilité dans votre couple. Quand vous tournez l'un à l'autre, et c'est important pour vous, eh bien, il y aura un peu de jalousie, un petit peu, quand vous souhaitez vraiment posséder d'autres personnes, quand vous voulez être sûr que la personne reste avec vous. Donc voilà, eh bien, qu'est-ce qu'ils devront savoir d'autre? Et alors, vous savez, j'ai aussi un accent que peut-être vous avez eu une certaine, peut-être, apathie, une tristesse dans le passé, mais la vie va vous donner des chances avec des événements, de nouvelles, quand vous pouvez retrouver le bonheur, des bons sentiments dans le futur. Et c'est un indice que vous ne devez pas rester dans le passé, il faut être orienté vers le futur. Et justement, j'ai encore la carte d'engagement. Eh bien, c'est très, très intéressant parce que ça me montre que vous pouvez avoir une proposition donc assez honnête, donc une discussion importante et vous prenez un engagement, donc une grande décision dans votre vie qui peut jouer un rôle important pour votre futur. Donc voilà, et vous savez, c'est aussi un accent que si vous avez eu une certaine apathie, eh bien, cette décision, il change cela. Il aura après plein d'événements rapides. Alors, quand vous prenez après cette décision, vraiment, votre vie évolue. Il y aura beaucoup de communication. Projet que vous souhaitez développer, c'est aussi un petit peu la carte de passion. Et bien sûr, il y a la passion, il y a la jalousie. Et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Et vous savez, je pense que peut-être en ce moment, vous ne voyez pas un petit peu votre futur et vous posez des questions. Mais qu'est-ce qui m'attend? Donc voilà, et bien, quelle sera l'évolution dans notre relation? Mais il y a quand même tous ces pensées négatives. Ils vont se terminer. Donc voilà, vous allez trouver vraiment la solution. Je pense que tout cela, ça va se passer après cette discussion que vous pouvez avoir et l'engagement que vous prenez. Mais votre vie change complètement. Et alors, bien sûr que là, ici, je vois messieurs, mais vous savez, j'ai la confirmation parce que c'est quelqu'un qui est orienté vers la création de la famille. Parce que, voyez, il y a plusieurs quand même rois dans le tarot. Quand on voit les personnalités différentes, eh bien, celui-ci, il aime vraiment avoir le résultat dans le futur. La stabilité, le confort. Il ne souhaite pas avoir des bouleversements dans sa vie, il veut avoir une femme stable auprès de lui avec qui il peut se réaliser, donc vraiment la création de la famille, les enfants, et bien ça c'est important pour lui, donc voilà, et justement avec cette décision que vous prenez, avec le monsieur qui arrive dans votre vie, tout ce qui était peut-être une impasse, vos inquiétudes par rapport au futur, ça reste dans le passé. Et bien qu'est-ce que nous devons savoir, qu'est-ce que sera le résultat? Et bien la carte de gagnant, quel que soit votre projet, vous pouvez le réaliser, vous devez le savoir. Vous savez, quand par exemple vos émotions, sentiments, ils se développent, et donc peut-être si vous souhaitez avoir un changement, amélioration dans le futur, vous recevez cela, vos projets, vous les réalisez. Mais quelle que soit votre envie, vous êtes un gagnant. Donc voilà, et peut-être même, messieurs, madame, vous serez au centre de l'attention, vous pouvez attirer l'attention de votre compagnon ou compagne vers vous et vraiment avoir donc la réussite donc, dans le futur. Et bien. Et alors, j'adore parce que c'est encore la carte de tradition. J'ai encore un accent sur l'engagement. Vous pouvez avoir une cérémonie. Même pour certaines personnes, ça peut être une cérémonie dans une église. Quand vraiment, vous êtes orienté vers la relation, relation traditionnelle. Voilà, toujours cette création de la famille. Et sur, quand vous vous basez sur vos valeurs, quelque chose qui est important pour vous, peut-être même croyance pour certains, parce que ça peut être même une cérémonie dans une église. Et alors, vous savez, je vais
également que madame, après tous ces changements, vous allez vraiment montrer vos sentiments. Ça sera quelque chose d'important pour vous. Vous serez amoureuse et vous allez vous sentir comme une femme qu'on aime. Donc voilà, je pense que monsieur, il va vous attirer, de son attention. Il va vous donner sa stabilité. Donc, quand confort, vous devez savoir cela. Eh bien, et vous savez aussi, j'ai un indice que peut-être en ce moment, si éventuellement vous ressentez une certaine solitude, c'est pour ça que vous ne voyez pas le futur. Eh bien, ça se change. Alors, j'adore parce que c'est vraiment une très belle carte parce que ça me montre, madame, quand vous avez la stabilité et le confort dans le futur. Et je pense que vous savez, souvent, ça montre que c'est par le biais de monsieur et cette relation que ça arrive dans votre vie. La prospérité, quand vous pouvez vous faire plaisir. Donc voilà, vous avez cette stabilité dans votre relation. Et justement, cela, ça change. Votre situation peut être négative. Donc les pensées, peut-être même pour certaines, peut-être une solitude. Donc c'est possible. Donc voilà, et bien. Et alors, vous savez, une très belle carte de bons souvenirs, de nostalgie. C'est-à-dire que ça me montre qu'il y aura les nouveautés. Donc dans votre futur. Et vous savez aussi un accent que vous ne devez pas oublier dans votre couple, le début de votre relation, pourquoi la personne vous a attiré. C'est comme aussi une base pour vous, sur laquelle vous vous basez. Donc voilà, et bien, et ça vous donne aussi des bons sentiments, des souvenirs. Vous savez, c'est aussi de la part de monsieur, vous pouvez avoir une attention quand il y aura des surprises, des cadeaux. Donc vraiment, vous devez savoir cela, qu'il peut vous apporter cela, et c'est pour ça que vous allez vous sentir vraiment femme, impératrice, une femme qui un petit peu profite de la vie et qui est complètement heureuse, et bien, et alors, j'adore parce que monsieur aussi, il sera amoureux, et bien, il sera aussi romantique, quand il pouvait vraiment développer vos sentiments, donc vous apporter aussi l'amour, donc des bonnes émotions, donc voilà, vous devez compter sur cela aussi, et vous savez aussi un accent, parce que la première énergie de monsieur que nous avons vue en général, c'est quelqu'un qui ne montre pas tout simplement ses sentiments parce qu'il se sent un petit peu renfermé, eh bien, s'il va montrer vraiment ses sentiments, c'est une très bonne chose pour vous, eh bien, mais il y a des sentiments, on le voit parce qu'il y a plusieurs cartes qui montrent cela. Eh bien, vous savez, en même temps, je vois que madame, tout va dépendre de vous, de votre décision. Je pense que prochainement, vous allez vraiment analyser votre avis. Donc, si vous avez par exemple ce choix, prendre un engagement ou non, je pense que vous allez analyser un petit peu et vraiment. C'est votre décision qui change toute votre vie, mais je vois quand même que je pense que vous serez orienté vraiment vers le futur. Il y aura un peu de passion aussi dans votre couple, et donc je pense que vraiment ça va prendre dessus. Et peut-être toute votre analyse elle va partir et vous allez suivre vos sentiments, la passion. Mais c'est la carte de bonne nouvelle quand vous avez déjà le résultat dans votre couple, dans votre vie, et peut-être même déjà vous avez une base quand vous avez réalisé beaucoup de choses et vous ne voulez pas vous arrêter. Cela, il y a toujours des perspectives qui s'ouvrent à vous dans le futur. Et alors, j'adore me regarder. Vous êtes ici absolument pareil. Donc voilà la question, l'avenir de votre couple. Mais vous êtes amoureux les deux, eh bien monsieur et madame. Eh bien pour madame aussi, vous voyez d'une femme qui analyse un petit peu sa vie, qui fait sa stratégie. Eh bien, je pense que la passion et les sentiments vont prendre au-dessus et vous allez plutôt suivre cela. Donc voilà, et vous allez aussi peut-être être un petit peu romantique, un petit peu sensible, et c'est aussi peut-être un indice pour vous que avec votre caractère fort, vous pouvez aussi montrer un petit peu votre faiblesse de temps en temps, un petit peu votre féminité quand vous rêvez beaucoup par rapport au futur. Donc voilà, et bien, qu'est-ce que nous devons savoir d'autre? Vous voyez, il y a aussi donc le côté financier qui se développe. Je pense que monsieur, il pourra bien se réaliser dans son travail parce que c'est un petit peu la personnalité de quelqu'un qui souhaite se réaliser, avoir le côté financier qui est développé, cette stabilité. Alors ça, c'est primordial pour lui. Donc voilà, et je vois que le côté financier, vous développez. Donc voilà, et quand aussi il aura entraide, le soutien, quand vous allez penser à votre futur ensemble, vous allez tout faire ensemble. Donc voilà, et monsieur, il sera généreux. Alors, les cadeaux, les surprises, j'ai encore une deuxième carte qui me montre cela, et bien, et alors, vous savez, une très belle carte, peut-être pour certaines personnes, ça peut être actuel, c'est la carte de grossesse. Vous savez, quand, justement, ça peut être aussi un grand projet pour certaines personnes, quand,
justement, nous avons vu l'impératrice, c'est une femme qui épouse, mais en même temps qui mère. Donc, j'ai quand même deux cartes qui peuvent montrer que vous pouvez vous réaliser comme mère également. Et vous savez aussi d'autres indices quand vous pouvez vraiment montrer votre féminité. Il y a quelque chose caché, vos désirs cachés, peut-être que même vous ne dévoilez pas à tout le monde. Eh bien, peut-être vous pouvez réaliser vos rêves les plus fous, peut-être, voilà, peut-être vos désirs. Donc, voilà, il faut peut-être être orienté vers cela, c'est ce qui vous attend dans le futur. Eh bien, très intéressant, nous avons vu la guidance des cartes, l'avenir de votre couple. Il y a quand même des belles perspectives qui s'ouvrent à vous. Vous ne devez pas vous enfermer. Donc, par rapport à vos peurs, des inquiétudes, nous avons vu la guidance des cartes. Il y a des perspectives. Vous pouvez commencer votre vie à zéro. Il y a peut-être un grand engagement qui vous attend. Les sentiments se développent. J'ai vu ici deux personnalités, un homme, une femme. Eh bien, vous êtes pareil. Il y a quand même les sentiments qui sont comme une base de votre relation. Vous devez le savoir. Eh bien, à la carte de conseil, comment vous devez vous comporter? Et alors, j'adore, parce que ça, c'est vraiment messieurs. Eh bien, comment vous devez vous comporter? Tout simplement, messieurs, soyez passionnés. Eh bien, déterminés, motivés à réaliser tous vos projets avec madame. Eh bien, dans la vie de madame, il y a ce monsieur, donc, qui va vous apporter avec lui. Il va vous donner les sensations, la passion, et tout change avec lui. Eh bien, donc, tout simplement, vous devez suivre ce monsieur. Et peut-être, c'est aussi monsieur qui est passionné. Et peut-être, il va vous apporter ses sensations. Et madame, vous devez suivre aussi cela. Nous avons vu que d'une femme qui analyse sa vie, vous passez à une femme amoureuse. Eh bien, vous devez suivre cela. Et comme ça, il y a vraiment un grand avenir dans votre couple. Il a le bonheur et les sentiments qui vous attendent. Eh bien, je vous souhaite beaucoup d'amour dans votre vie, passion, bonheur. N'oubliez pas, le destin vous appartient.